Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver ici à Madrid depuis le stade Santiago Bernabéu. Vous serez bien sûr ravis de commenter ce match aux côtés de Pierre Ménès, comme toujours. Le jeu de ce match, eh bien, c'est le droit d'accéder dès aujourd'hui à la division supérieure. Le Real Madrid contre Liverpool. Ouais, il manque une dernière victoire à cette équipe pour accéder à l'échelon supérieur. Je pense que c'est largement dans leur corde. Oh, pas du tout cadré. Non, et honnêtement, vu comment il s'y est pris, ça risquait pas. Hein. Kroos. Toni Kroos, joueur de très grande qualité, hein, même s'il ne fait pas partie des stars mondiales. Non, c'est un joueur obscur, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est un joueur utile. Il sait servir de ses deux pieds, qui a une excellente vision du jeu, qui est à l'aise dans le jeu long. Et voilà, il a fait sa place au Real. C'est pas si facile. Hein. Attention à la frappe. C'est contré. À nouveau contré, bien défendu. Votre sentiment sur ce match, il y a deux joueurs qui pourraient s'illustrer, non ? Alors, ce sont deux joueurs qui ont évidemment une grande influence sur le jeu de leurs équipes. On risque de voir de belles choses. Carvajal. Benzema. Modric. Ah, il combine encore avec... Ah ouais, superbe, il file au but. Et c'est un but très important qui pourrait offrir la montée à cette équipe, tout simplement. Ouais, ça, ce sera un grand moment dans l'histoire de ce club. Et qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Et Metz qui perd le ballon. Alors peut-être quelque chose à faire là pour Salah. Ils perdent ce ballon. Très bonne lecture du jeu sur cette interception. Roberto Firmino. Il essaye de trouver Mohamed Salah. Là, c'est contré par Sergio Ramos. Et la voilà la frappe. Et Sergio Ramos qui contre ce tir. Perdu, c'était Fabinho. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ouais, dans le trou. Et c'est un but fantastique. Parce qu'au vu du classement, on a de plus en plus de mal à voir ce qui pourrait les empêcher d'évoluer à l'étage supérieur la saison prochaine. Ah, tu veux que je te dise, je pense qu'ils pourront commencer à la préparer dès demain. Hasard. Mais non, cette action ne donnera rien. Mohamed Salah. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Il gagne son duel. Et Courtois qui bien sûr ne se laissera pas surprendre. Eden Hazard. Benzema. Karim Benzema. Bien sûr, il en faut plus que ça pour tromper Alisson Becker. Roberto Firmino. Ouais, bien joué le défenseur. Karim Benzema. Qui redonne à Karim Benzema. Benzema, très très bien pris par Virgil van Dijk. Alors, touche longue ou une touche courte, on va voir. Modric qui perd la balle. Il a débordé la défense. Ah, ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. Bah, c'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture, je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Eden Hazard. Ah, le bon ballon de Benzema. De signer le but libérateur. Et peut-être le but qui scelle définitivement la montée, surtout.
On ne savait pas s'il avait tenté un crochet ou la frappe en force. Bah, il n'a rien fait de tout ça, il a choisi la balle piquée. Ah, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Ouais, le Real qui récupère la balle. Eden Hazard dans les 30 derniers mètres. Ouais, bon ballon pour Eden Hazard. Ouais, quel but! Oh, magnifique! Ils réussissent le match parfait au bon moment. C'est la marque des grandes équipes, ça, Hervé. Maintenant, la montée ne devrait plus être qu'une formalité. On voit ici ce joueur qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Ensuite, on a droit à un bel exploit individuel avec énormément de sang-froid pour éliminer le gardien. Ils ont certainement tué le match. Le score est maintenant de 4 à 0. Karim Benzema. Allez, il peut y aller, Toni Kroos. Il n'a plus qu'à la mettre. Ah oui, il le met. Ce nouveau but qui vient conforter leur avance, c'est bien. Exactement ce qu'il leur fallait, ils sont en confiance maintenant.